Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 81e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait fait un épisode spécial pour célébrer la réouverture des bars et des restaurants en redécouvrant le rétroviseur Place du Don. Nous sommes toujours sur Saint-Leu aujourd'hui. Nous sommes très exactement au 30 rue Saint-Leu chez Schmur. Et pour en parler, nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors dites-nous Frédéric, Schmur, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept et quel message veux-tu faire passer? Alors, ce que j'essaie de défendre dans cette modeste boutique, hein, puisque c'est vraiment pas très grand, c'est assez étroit. Voilà, Schmur, c'est un mur de livres. Et ça s'appelle Schmur parce que ici c'est la Picardie et que pour moi la culture et la langue picarde ça a quand même une importance. Mais ce que je veux défendre avec cette boutique là, c'est d'abord l'idée que le livre d'occasion c'est quelque chose qui a encore une grande valeur, même si ça peut paraître un peu désuet et que beaucoup de gens se débarrassent de leurs livres. Un livre ça peut avoir plusieurs vies, c'est un objet solide, durable, que si on le traite bien, un livre d'occasion, il peut avoir autant de valeur qu'un livre neuf. Et il peut circuler entre les gens, et c'est un peu notre boulot, c'est de le faire circuler. Une deuxième chose que j'essaie de défendre aussi, c'est l'idée que toutes les cultures et toutes les langues, à mon avis, se valent. D'accord. Et c'est pour ça que moi, j'essaie d'équilibrer ici, dans l'espace, les choses que je propose entre tous les pays. Vous avez un classement... une particularité ici peut-être pour un bouquiniste, ça tient aussi à l'étroitesse du lieu. Ici les livres sont classés et c'est plutôt rangé. Donc il y a un classement géographique, ouais. On peut très bien se repérer, il y a les étiquettes et tout ça. Et puis il y a un classement thématique. Et en plus de ça, bon, j'ai un petit penchant pour la science-fiction, l'anticipation, donc ça il y en a un peu plus que... D'accord. Voilà, sinon, normalement, chacun peut y trouver. On va regarder un petit peu, s'avancer. Un peu de tout. D'accord, donc là, en effet, vous dites qu'il y a. Là, c'est la géographie du monde, si je puis dire. Oui, ça commence avec le régional, par ici. Donc. Avec Amiens. Amiens, la Picardie, la Somme, mais plus largement aussi. La Wallonie, enfin toute la zone picarde au sens large. Oui. Ensuite, ça continue avec les autres régions de France. Puis après, on passe en Europe. Donc, il y a principalement, bien sûr, il y a plus de livres. Ici, on trouve principalement des livres en français. Hein, c'est normal. Bien qu'il y ait quand même pas mal de livres en anglais, en espagnol, etc. Mais forcément, il y a un déséquilibre vis-à-vis de la littérature française, quoi. Mais malgré tout, bon, on peut trouver des bouquins d'un peu tous les pays, d'un peu tous les auteurs. L'idée, c'est de multiplier les points de vue sur le monde, quoi. Ah, puis comme vous dites, il y a une logique dans tout ça. On part de chez nous, et plus on avance dans notre boutique, plus on s'éloigne un peu, En essayant de pas hiérarchiser, hein. C'est-à-dire que... Oui, c'est une sorte de voyage à travers le monde, ouais. D'accord. Donc il y a un voyage dans l'espace, puis il y a un voyage, on pourrait dire, dans le temps. Ouais. Avec aussi une systématique un peu particulière sur des thèmes. C'est un classement très subjectif, mais qui, à mon avis, tient la route, quoi, qui permet de se repérer. Voilà. Ouais, il y a de tout. Il y a du théâtre, mais il y a aussi, comme vous dites, comme vous montrez, des astres, c'est ça? Donc, tout ce qui... Oui, c'est tout ce qui concerne aussi bien l'astrologie que l'astronomie. On peut trouver même un roman avec un titre qui parlerait de la lune, des choses comme ça. Quoi. C'est, des fois, c'est un petit peu farfelu. D'accord. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de toujours très très rationnel. Ok. Bah, écoutez, Frédéric, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Bienvenue. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 81e épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 82. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.